La vie n'est pas obligée de nous donner ce à quoi nous nous attendons, mais nous avons tendance à penser que la vie nous doit quelque chose. C'est pourquoi nous pensons que la vie a toujours été injuste. Nous faisons tous des erreurs et lorsque nous nous excusons et promettons d'échanger, nous pouvons être pardonnés. Mais pourquoi jure-t-il de ne pas pardonner à son père? Qu'a-t-il fait pour mériter une telle punition aussi lourde? Nous sommes en Tanzanie, nous rendons visite à cette famille. Ils nous racontent plus sur leur histoire de vie. C'est Rafa, 16 ans, elle est née normale, mais il y a quelques années, sa bouche a commencé à gonfler tous les jours et est devenue très grande. Elle étudiait à l'école primaire, mais en raison de cette maladie où elle pouvait souvent manquer d'aller à l'école régulièrement, elle a été forcée d'abandonner et passait maintenant ses journées à la maison. Ma maladie a commencé il y a longtemps quand j'étais encore jeune, mais à ce moment-là, j'allais toujours bien et ce n'était pas si mal parce que j'étais encore forte et que je pouvais aller étudier. Mais le moment est venu et mon état de santé s'est aggravé et j'ai dû arrêter d'aller à l'école. Elle ajoute que le voyage vers les hôpitaux se poursuit, mais qu'ils sont à court de budget et comme tout le monde peut le voir, elle a besoin de soins médicaux. Maintenant qu'elle ne va plus à l'école, elle reçoit une formation où elle apprend et acquiert des compétences en couture. Elle prie pour que Dieu leur fournisse suffisamment d'argent pour qu'elle puisse obtenir le traitement avancé nécessaire pour avoir une vie saine et normale. Elle vit avec la mère, son grand-père et son arrière-grand-mère. Son père a abandonné sa mère alors qu'elle venait d'avoir 8 mois dans le ventre de sa mère. Et pour cette raison, elle ne pardonnera jamais au père d'avoir abandonné la mère, pour absolument aucune raison du tout. Le père n'a pas pris soin de la grossesse, c'est un lâche. Elle croit que si le père était attentionné, il serait venu la voir et la soutenir, quels que soient ses problèmes personnels avec la mère. Youssouf Kabenza est le père d'Amina et le grand-père de Rafa. J'avais une belle femme qui est morte en 2019 et je n'en ai jamais épousé une autre. Ma fille s'est mariée, mais son mari l'a abandonnée quelques jours avant qu'elle ne donne naissance à Rafa. Nous vivons ensemble depuis ce jour. Lorsque ma petite fille avait 2 ans et avait commencé à aller à l'école, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à avoir tous ses problèmes et que nous l'avons précipitée à l'hôpital. Le processus sans fin d'avoir des rendez-vous presque tous les jours l'a forcé à abandonner et nous avons du mal à payer son traitement quotidien. Depuis le jour où elle est tombée malade jusqu'à présent, nous allons toujours à l'hôpital, mais l'état ne s'y rétablit pas de si tôt. Il s'aggrave de jour en jour. Le temps est venu et nous avons manqué d'argent et c'est pourquoi nous attendons qu'un miracle se produise. Sinon le pire de tous peut se produire si nous ne continuons pas le traitement. En tant qu'homme irresponsable, il dit qu'il ne peut pas comprendre pourquoi un père abandonnerait sa femme. Le père sait très bien que la fille est malade, mais il ne fait rien pour aider. Le père s'est présenté à l'hôpital pour la dernière fois à ses 6 ou 7 ans. Depuis ce jour-là, il n'a pas suivi la situation de santé de sa fille. Il ne sait même pas si la fille s'est rétablie ou non. En d'autres termes, c'est le père le plus irresponsable qu'il ait jamais vu. Et c'est pourquoi la fille dit qu'elle ne pardonnera jamais à son père. Quand on a
Youssouf est un homme d'affaires. Il a une entreprise qui leur rapporte de l'argent et qui les aide à vivre. Mais il dit qu'il ne gagne pas assez pour la famille. En tant que personne qui s'occupe de cette famille et est censée la nourrir, il dit que c'est une tâche difficile et qu'il ne parvient pas souvent à joindre les deux bouts. Mimi nachoomba kwanza kupata huduma tu ya uzima wake kutoka na afya yake jinsi aliyokuwa na. Hicho ndio ninachokiomba mimi mpaka dakika hii. Kupata mtu akaweza kumsaidia kupata uzima tu mjukuu wangu ndio ninachokiomba mimi. En tant que grand-père, tout est à moi, je dois savoir trouver la solution. Mais en fin de compte, je suis aussi une personne et j'ai aussi besoin de soutien. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai besoin de soutien. S'il y a un bon samaritain prêt à nous aider pour que nous puissions obtenir de l'argent, nous en serions absolument très reconnaissants. Amina a 30 ans, elle est une mère célibataire de deux enfants. L'une est Rafa, une fille de 16 ans qui est actuellement malade, et l'autre a 6 ans. Elle vit avec ses enfants, son père et la mère de son père, qui est sa grand-mère. Un jour, je me suis mariée et j'ai vécu avec mon mari. La vie était bonne, mais ma relation n'a pas duré longtemps car mon mari m'a abandonné plus tard quand j'avais le plus besoin de lui. Voyez-vous, je suis tombée enceinte et comme j'espérais avoir notre premier enfant, nous avons eu quelques malentendus et il a choisi de partir et de me laisser vivre seule. Après avoir été abandonnée par le mari, elle a donné naissance à Rafa qui a plus tard commencé à tomber malade avec l'influx de la bouche. Elle n'a jamais aimé être dans une relation parce qu'après avoir produit Rafa, elle a rencontré un homme qui a promis de l'aimer et de prendre soin d'elle. Ils en ont ensuite fait un autre enfant qui est son dernier-né et l'homme aussi est parti quand le dernier-né avait 3 mois. Dans toute famille, personne n'a jamais eu une telle maladie et Amina craint qu'elle ne prenne la vie de sa fille si elle n'est pas traitée de sitôt. Je m'inquiète du problème de santé de ma fille. On a essayé tout notre possible, mais je peux dire que nous avons maintenant complètement échoué et c'est pourquoi nous avons besoin du soutien des gens afin d'obtenir de l'argent pour un traitement avancé. Vous pouvez contribuer et aider Rafa à obtenir de l'argent pour un traitement avancé sur le lien de Giving Life qui se trouve dans la description de cette vidéo et épinglé dans le meilleur commentaire. Dans la vie de tout le monde, il y a un point de non-retour et dans très peu de cas, c'est un point où vous ne pouvez plus aller de l'avant. Lorsque nous atteignons ce point, tout ce que nous avons à faire est d'accepter ce qui arrive car c'est comme ça que nous survivrons. Merci d'avoir regardé, je m'appelle Bigam, vous suivez Afromax Français, n'oubliez pas de vous abonner.